Le nuove tendenze a Marrakech arrivano anche nel mondo della moda. In questo caso abbiamo Federico Banzola, di origine, pensate, il nonno era italiano, presenta la sua nuova collezione proprio in occasione del Film Festival di Marrakech. Federico, so, congratulations, the new edition, the new collection. Why and what you want show with this new collection that you present this year? Because in Marrakech you have the Gatsby lifestyle. So it's very famous for that, and so well the people enjoy the collection, and I think it's a success tonight. Soon is the film festival in Marrakech, and that's why we have the idea to make the Gatsby collection. It's a mix, it's like a cocktail. You have the Moroccan lifestyle, the English code, and the Italian touch. Forever. Federico diceva che in effetti ha voluto presentare uno stile che identifica Gatsby proprio in occasione del film festival, e non ha nascosto che ha voluto mixare un po' la tradizione marocchina con la stoffa francese, ma ovviamente con il grande stile italiano. Quindi complimenti a lui e complimenti alla nuova collezione. Grazie mille, ciao. Una delle cose sorprendenti di Marrakech è che anche lo sviluppo delle infrastrutture, le infrastrutture di lusso, si sono praticamente evolute in maniera straordinaria. E siamo con un esperto, siamo con un amico, Karim El Ghazawi, presidente del Mosaic Aziz. Parliamo un attimo di Marrakech, Karim. Marrakech è la destinazione del Nord Africa la più interessante, soprattutto e forse l'unica anche, che ha questo fascino dell'Oriente. C'è una certa stabilità politica. Marrakech rimane a 3 ore delle più grandi città dell'Europa. Abbiamo la fortuna di essere qui a Marrakech perché siamo molto service oriented e abbiamo sempre dato un servizio di alto livello e sempre costante e sempre strutturato e con structures. Penso che il successo nelle strutture alberghiere, soprattutto nei resort, è di partire con un memorable guest experience, un pensiero, una memoria che rimane. E questo viene con una creatività e una ricerca. Quando il cliente entra nella struttura e c'è sempre le sens, le essenze che vanno con il paese. Qui per esempio abbiamo la fleur d'oranger, la sleeping experience, il letto, il comfort del letto, il cotone egiziano, il jacquard, utilizzano i prodotti del mercato locale, della natura molto ricca marocchina. E dunque questo cerchiamo sempre di mettere nei nostri alberghi, che siano a Marrakech, in Egitto o anche in Italia o in Grecia. La nostra filosofia di dare al cliente l'esperienza locale con un lusso internazionale. Beh, io personalmente ti faccio i complimenti perché in effetti ho avuto la fortuna di visitare questa struttura. Devo dire complimenti. Io continuo il mio percorso per Marrakech. E a voi invece l'invito anche di venire a far visita, se siete a Marrakech, a questa struttura, dove troverete grandissima ospitalità, grandissima gentilezza e come sempre grande qualità. سافر تروح تعيا وتولي شا
è Mohamed Joy, caporedattore dell'Opinione, uno dei giornali più importanti di tutto il Marocco, oltre ad essere un grande amico personale. Mohamed, insomma, il Film Festival è visto come anche una grande opportunità non solo culturale ma anche turistica per Marrakech. Grazie al festival il y a des gens qui arrivent, des cinéastes, des réalisateurs. Il y a également des fans du 7e art qui arrivent ici à Marrakech et qui découvrent Marrakech, partant, qui tombent sous le charme de Marrakech pour investir, pour s'acheter des maisons d'hôtes, faire construire des maisons, leurs résidences particulières. Le festival apporte beaucoup, beaucoup, énormément à Marrakech. Beaucoup de gens viennent maintenant investir à Marrakech parce qu'il y a une qualité de vie exceptionnelle. Vous savez qu'à Marrakech, il y a toutes les communautés. Il y a la communauté anglaise, américaine, allemande. Vous trouvez tout le monde ici, des Émirats. Tout le monde vient investir ici à Marrakech parce qu'il y a la sécurité d'abord. Il y a la sécurité, c'est l'idéal. Le Maroc est un pays où la sécurité et la stabilité règnent, ce qui encourage les investisseurs à venir à Marrakech. Et puis, il y a tout ce que vous voudrez ici. Vous trouvez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez ici à Marrakech. 13ª edizione, dicevamo, del Festival di Marrakech. Abbiamo l'onore e il piacere di essere col presidente Nordin Sahil, che praticamente ci ha ospitato. Ecco, presidente, sicuramente il è un grande tournage, una grande edizione, ma maintenant, nous pouvons dire che il Festival di Cinema di Marrakech è diventato qualcosa di très importante a livello internazionale. Nous avons démarré en 2001, on est en 2013 et je pense que le développement du festival s'est fait de façon assez forte. Nous pouvons dire que aujourd'hui le festival a trouvé son rythme de croisière avec sa compétition qui est généralement d'un très haut niveau, son jury international qui est toujours très fort. Cette année c'est un ami du festival, Martin Scorsese, qui le préside, mais avant lui il y a eu Polanski, il y a eu Forman, il y a eu des gens très importants du cinéma qui ont dirigé le jury. À côté de cela, il y a un hommage que nous rendons chaque année à une grande cinématographie internationale. Il y a 4 ans, nous avions d'ailleurs 5 ans. Nous avons rendu un très très grand hommage au cinéma italien et nous avons invité une quarantaine de professionnels italiens, producteurs, cinéastes ici à Marrakech avec la présentation de 40 ou 50 films italiens. Nous avons beaucoup d'étudiants qui étudient aussi le cinéma à l'étranger, en France, en Pologne, en Italie. Et avec les écoles marocaines, avec les étudiants qui vont à l'étranger, avec tous les tournages que nous avons de l'extérieur qui viennent tourner au Maroc, c'est une formation permanente pour les techniciens qui constitue pour nous un excellent capital. Et je vais te demander aussi une chose. Il est passé d'ici beaucoup d'acteurs. Francis Ford Coppola, John Malkovich, Forest Whitaker, mais toute l'année, le festival veut une petite attention aussi pour les Italiens. Le dernier année, c'est Favino, l'année, c'est Sorrentino, la Ferrari, et une très attention jolie avec les acteurs et aussi les directeurs italiens. Italiens au Maroc, ils sont chez eux, c'est ça la différence. Et ils sont chez eux parce que les Italiens, nous les voyons ici toute l'année. Il y a beaucoup de tournages italiens qui se font ici. Dans la région de Ouarzazat, depuis 20-30 ans, les premiers à avoir tourné ici, c'est les Italiens. Donc nous avons l'habitude de travailler avec les Italiens. Et lorsque nous faisons le festival, il est évident que l'une des premières questions que nous nous posons, c'est quel est le film italien qu'on va présenter en compétition cette année? Qui c'est la personnalité italienne qu'on va mettre dans le jury? Qui sont les réalisateurs qui sont disposés pour venir? Et donc c'est une histoire d'amour qui est très ancienne entre l'Italie et le Maroc. Et donc le festival de Marrakech se doit d'être le témoin de cette histoire d'amour. Que l'organisation, ça nous coûte énormément de travail, mais je crois qu'au bout de 13 éditions, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous savons organiser un vrai grand festival international. Merci. Merci à vous, président.
على سحرة أجمل عيون.